Et on fait évoluer cet Toglimon qui va passer maintenant au niveau 35. À coup de Tamulo. Et voilà l'évolution de Uglimon. En quelque chose qui n'est pas Uglimon. Et voilà. Bonjour et bienvenue en 22e épisode de Pokémon version Uranium en Nuzlocke Challenge. Donc j'ai été pris un petit peu de cours dans le début de la cutscene, j'ai avancé un petit peu trop vite avant de faire la sauvegarde. Donc après l'évolution du Uglimon Nupin en... je sais plus comment il s'appelle... Géline. Et ben on va faire notre quête nucléaire. Allez, comme dit, on a une invasion sur la route. Vous savez la réserve où, où la dernière fois j'ai pas eu le droit de rentrer, enfin c'était l'épisode de 19 il me semble. Et ben on va pouvoir y rentrer maintenant. En tant que civil réquisitionné par les rangers pour faire du nettoyage nucléaire. Anarion, tu es sain et sauf. Oui, papa. Je vois que tu étais à Vinoville quand c'est arrivé. Je pensais que je t'envoyais dans la gueule du loup. J'en suis désolé. Je suis si soulagé que tu ailles bien. Maintenant, je vais faire de mon mieux pour que tout rentre dans l'ordre. Et je vais commencer par protéger les anges forts légendaires de Vinoville. Ouais, bah en attendant, à Vinoville, ils sont bien atomisés. Hein. Oh, c'est Anarion. Je vois que tu es venu nous aider à faire créer Pokémon nucléaire. Ah oui. Même si je déteste te mettre en danger, je veux voir tes compétences en combat. Pokémon en action! Ne t'en fais pas, Anarion, je te protégerai quoi qu'il arrive. Viens avec moi. Allez, musique Ranger. Écoutez-moi tous. Au-delà de ce point, vous entrez en zone contaminée. Bien que la majeure partie de cette colline est protégée contre la radioactivité, les Pokémon nucléaires empiètrent sur ce territoire et irradient le sol au passage. Comme vous le savez, ils résistent au Capstick. Utiliser des Pokémon est le meilleur moyen de les arrêter. Les Pokémon liés à leur dresseur sont plus résistants aux effets des radiations. Ils se soignent aussi plus rapidement, alors que les humains courent un plus grand risque d'être exposés. L'air ici n'est pas... Ah oui, oh, petite parenthèse. C'est vrai que les Pokémon ont une capacité de guérison bien supérieure en Pokémon. Oh non, les humains se... Non, les Pokémon ont une capacité de guérison bien supérieure en Pokémon. Hein, je confirme. C'est pour ça que c'est eux qu'on envoie en combat en première ligne. L'air ici n'est pas très toxique parce que nous sommes loin de l'épicentre et protégés par la montagne. Toutefois, il est important de prendre des précautions. Est-ce que tout le monde est prêt? Allons-y. Ouh là là... Kyogre est encore en colère, il envoie son crachin. Bref, c'est la musique du crachin de Kyogre. Alors, je vais enlever le vélo parce que ça m'énerve. Alors, équipe du jour. Ben, j'ai eu un peu la flemme de trop grinder, surtout que comme j'ai dû mettre Géline en niveau 35 pour le faire évoluer, le Uglimon plante et électrique, forcément, c'est le part d'XP que mes Pokémon n'ont pas touché. Donc, l'équipe du jour. Bon, excusez-moi pour le départ tout à l'heure, un peu à la va-vite. Donc, Servassi niveau 42, Farum niveau 43, Koilune, enfin Siabunobuff avec son cri étourdissant niveau 42, Renard niveau 46, Wigiloté niveau 42, et. Enfin, si je mélange les noms et les surnoms, on est Raffinoyant niveau 43. Bref, vous avez compris, ça n'a pas changé, c'est toujours la même équipe, et tout le monde à part Raptorch a pris 2 niveaux, ou 3, voilà. Histoire d'essayer d'un peu équilibrer tout ça. Alors, comme on est dans une nouvelle zone, vous avez compris. Oh, j'ai perdu la musique radioactive. Merci, infirmière Joël. Antidote. Merci. Bon, j'aurais pu mettre la musique de Zelda, mais j'ai pas envie. Le type acier est le seul résistant d'attaque nucléaire en dehors du type nucléaire lui-même. Il est déjà assez cheaté, hein. Voilà, qu'est-ce que tu dis, toi? Non, tu parles pas, tu parles pas. Non, pas de dialogue, ok. Oula, faut faire du sauvetage. Bougez de vous de là, oui. Alors, comme bien sûr c'est une nouvelle zone, vous avez compris. On va mettre Rigidité en premier et capturer ma première rencontre. Bon, j'ai déjà... Prends ton petit bisou de fée, Tanurex radioactif. C'est extrêmement efficace. Alors, j'ai regardé la liste de ce que je pouvais rencontrer. Il n'y a que soit un abo, ou soit le petit mouton noir, là. En mouton, voilà. Alors, lui, il est seul. Faut pas que je me trompe d'attaque. Oui, il est seul en... Enfin, oui, c'est bon. Parce que s'il me fout une attaque de type nucléaire, c'est dégâts x 6, hein, et ça peut faire très mal. Bon, théoriquement, je ne serai pas OS. Ah bah, ça sera ça, du coup. Alors, je serais tenté de faire une attaque, mais je vais juste m'endormir.
c'est vu l'écart de... Oh, mais tu fais chier. Sac, parce que l'endormissement, ça double la probabilité de capture. Alors, nuclear ball, non, moi j'en ai, il me semble. Enfin, j'en ai pas de nuclear ball. Bah, un rapid ball, alors. Hein. Voilà, c'est deux fois plus efficace qu'une hyperbole dans les 5 premiers temps de combat. Donc c'est une balle vraiment cheatée. Hein. Et parfaite pour ceux, pour la grande majorité des joueurs qui n'aiment pas affaiblir les Pokémon et qui balancent des balles full vie. Hein. Alors, ah bon, Pokémon de serpent, blablabla, bon. Voilà, j'ai capturé un abo. Alors, pas de surnom parce que c'est radioactif, ça va aller en quarantaine. C'est même pas la peine, même pas en rêve d'utiliser des Pokémon nucléaires en Nuzlocke. Ce n'est-ce que parce qu'ils, défensivement, c'est une catastrophe. Et ils peuvent désobéir en plus, donc ils sont incontrôlables. Voilà, j'aurais pu avoir ça aussi. Je fais quoi? Attends, type ténèbres en premier. Hein. Allez, casse-brique. Histoire d'essayer d'avoir du dégât x4. Donc maintenant, reprenons la quête principale. On a eu notre première rencontre, voilà, tranquille, hein, sans prendre de risques. Allez, on va sauver ce qu'il y a à sauver. Ah, oh, tu fais chier que t'en es plein d'intimidation. Enfin, ils ont un avantage, les Pokémon nucléaires. C'est le seul type de Pokémon où le type normal est super efficace. Parce que normalement, le type normal est efficace sur rien. Oui, je sais. C'est bon. De toute façon, j'ai mon Pokémon acier. Il y a des Pokémon sauvages tous les deux pattes. Ah, lalalala. Bon, ça me fait de l'XP. Ah oui, il faut que je fasse gaffe, c'est du 2 contre 2. Enfin. Ah non, pas Tinker assez, c'est. Non, Sylmama, c'est un bon choix, je pense. Hein. Oula, approche-toi là-haut, dis que ce Pokémon est en danger, chouetton. Oula là, les abos. Allez, 2 contre 2. Tenez ton sauvage et ta Nurex sont apparus. Power Ranger, Kelly, non, voilà, mets ton sauvage. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Power Ranger. Alors, moi je m'occupe de lui. Ah, oh, il tape en premier. Il est plus rapide que moi. Hé, hey, papa, il est quand même niveau 39, hein. Il est bien entraîné, papa. Bon boulot, petit. Voilà des aptitudes de combat impressionnantes. Laisse-moi soigner tes Pokémon. Kekelim, on a besoin d'aide, vite! J'arrive pour l'exclamation dans la tronche de je ne sais qui plus haut. Chouetton est tout content! Un Tanurex radioactif sauvage apparu. Retour. Oh, j'en peux faire casse-brique. Oh, mouton! Méchant mouton noir et en plus il est radioactif. Ben oui. Allez, niveau plus. Y'a des Pokémon sauvages tous les deux passes. C'est amusant. Allez, one shoot, one shoot, one shoot. Ah, il n'y avait pas un objet. Non, bah j'ai cru qu'il y avait un objet là. Bon, tant pis. Eh ben, dis donc, on s'est bien agressé. Allez, on va mitrailler la touche A. Mitrailler la touche A. Allez, au revoir. Donc, à partir de cet escalier, c'est un point de non-retour. Hein. Allez, allez, oh, maman. Ils sont trop nombreux, ils écrasent nos rangers par leur surnombre. Pas de panique. Alors, regarde-moi, vous allez nous couper d'eux. Musique radioactive. Ah beau, Scorplan. Pour Pokémon Ranger Kelly, on va Master Singe. Oh, il a l'intimidation. Allez, lui. Super efficace. Bon, tant qu'il balance pas des attaques nucléaires. Hein.
Oh, Mastochin, je sens ton énergie faiblir. C'est la radiation qui t'atteint. Il a été radioactif. Oui, irradié. C'est bon, ne t'inquiète pas, t'es à l'abri maintenant. Mes rangers vous protégeront. Oula. Oula, oula. Ah, c'est bien fait l'animation. Les serpents vous titillent, ce n'est pas bon. Je peux pas laisser Mastochin s'exposer à plus de radiation. Anarion, tes Pokémon sont encore en état de combattre. J'ai besoin de... Non, on a tous besoin de ton aide, s'il te plaît, nous comptons sur toi. Musique radioactive. Un arbre sauvage et un Riptadier sont apparus. Donc d'où le choix d'avoir missile maman en premier. Alors, poison, ça c'est pas efficace. Bon, pour moi le plus dangereux c'est Arbok. Hein. Ouah merde. Il se passait quoi là? Ah d'accord. Bon, il a un one shoot tout le monde. Bon, sauf qu'il me caressait bien sûr. Quand t'as pas l'habitude du combat double et que tu ne connais pas les attaques. Merci Anarion, nous te demandons beaucoup. En fait, j'avais même pas besoin d'envoyer Ticarassé. Si le maman gérait tout seul. Hein. Je ne sais pas comment te remercier pour ton aide Anarion. Si tu n'avais pas été capable de nous en sortir à la dernière minute. Ouais, pour info, depuis la 4G, il demande quand on sélectionne les attaques en combat double, il demande confirmation sur les cibles. Donc quand ça attaque tous les ennemis, t'as tous les ennemis, tous les combattants qui sont en surbrillance, donc tu dois appuyer deux fois sur le bouton A pour valider l'attaque en combat double, ce qui te permet d'éviter ce genre d'erreur. Bon bref. Bon travail, accepte. Allez, remercie-moi. Oui, c'est Slurf. Donc ça veut dire qu'il va falloir fouetter un nouveau CS Slave. Prenez le fouet, fouettez. Et ordonner aux Pokémon de pousser le rocher. C'est comme ça que ça marche, les CS. Fuyez. La forêt bacale. Hein. Ah merde. Oh, surtout là, ouf. Non, non, il faut que je parle à tout le monde, hein, c'est important. Ils sont pas assez nombreux. Ouais, c'est surtout interdit aux dresseurs cette route. Ah, la combinaison nucléaire de cosmonautes plutôt. Non, pas encore. Merci. Ils ont même pensé en tablette diode. Bon bah l'épisode sera assez court et va s'arrêter là parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie de que ce soit un épisode long après les 45 minutes de l'épisode précédent. Voilà, donc en l'épisode suivant on fera la nouvelle route qui s'est débloquée et je vous révélerai qui sera mon CS Slave. Mais ça sera pas un de mes 6 Pokémon de mon équipe parce que j'ai sacrifié Rouanar une fois, ça suffit. Hein. Je vais fouetter quelques d'autres, peut-être même un des Pokémon de la quarantaine. Ouais, la clause CS Slave en Nuzlocke. Pour une fois. Rien ne m'interdit d'utiliser un CS Slave. Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt. Je sauvegarde quand même. Voilà!